T'as pas commencé encore. Facebooker, Facebookeuse. Et bah là on est devant le deuxième parking où c'est le jour et la nuit en fait. Vous voyez le portail, il est flambant neuf, ça a été réhabilité. Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est-à-dire qu'un poids de mesure, un site où comment ça s'appelle, on réhabilite, tout est propre. Les gens ils peuvent même arriver à distance bipé pour pouvoir entrer. De l'autre côté, c'est un parking qui est laissé à l'abandon. Ils peuvent même pas bipé à distance pour descendre. Donc je sais pas de qui on se fout. Et ça c'est juste une partie de l'iceberg. Ça veut dire que quand on va commencer à aller en bas, je suis sûr qu'on va trouver des cadavres. Parce que je suppose que dans les logements ça va être à peu près la même chose. Donc si les habitants, vous avez des problèmes dans vos logements, nous on vous invite à nous contacter sur le Facebook de la Révolution qui marche et on fera le nécessaire Saint-Denis. On fera le nécessaire pour se déplacer, pour venir à votre rencontre et voir tous les problématiques que vous rencontrez comme ça. Voilà, pour expliquer, là on avait filmé la première vidéo en bas où c'était l'accès des habitants, où clairement le GIREP ne prend pas la peine de réhabiliter lorsqu'il y a des soucis. Et là, ben, c'était une porte qui avait été cassée, en même pas une journée, ils l'ont réparé directement. Voilà, c'est neuf, c'est flambant neuf, pourquoi? Car les salariés de l'OGIREP passent par ici. C'est incroyable, c'est ça hein. Il y a quelques locataires qui peuvent louer des boxes de ce côté-là, mais le personnel de l'OGIREP rentre par ici. Donc il y a une entrée et une sortie, et effectivement les portes sont toutes neuves, bizarrement. Voilà. Donc qui est le plus prioritaire entre l'incendie, ouais, et des gens qui payent leur loyer, une porte qui tombe en panne et on les change par du tout neuf. Donc c'est que le budget doit être très conséquent. Voilà, ouais. Tiens, on va vous filmer bon. Voilà. Tu sais, là, il y a des personnes, ça rentre se dire, ils sont tellement dans les détails, ils parlent même d'un parking. Mais croyez-nous, lorsque vous garez un véhicule dans un parking, le parking devient une priorité. En termes de sécurité, en termes de juste qualité de vie. C'est pas normal qu'aujourd'hui, en France, même nos parkings... Hein, même pour trouver une place pour stationner. Voilà. Surtout ici, c'est problématique. Et au 1er janvier, eh ben, le stationnement il va être payant ici. Voilà. Aussi. Donc ça veut dire, lorsque il y a une politique d'une ville qui va faire un stationnement payant à l'extérieur, lorsque vous avez un parking qui est abandonné, comment faire? Elle est là la réalité. À un moment donné, lorsqu'on fait cette vidéo par rapport au parking, on ne veut pas s'arrêter qu'au parking. Regardez, filme bien là-haut. Voilà, là on est au Franc-Moisin. Et là c'est l'OGIREP. C'est très bien qu'aujourd'hui, dans ces bâtiments-là, derrière ces murs, il y a des personnes qui vivent dans des conditions juste atroces. Juste voir l'état du garage, comment il est abandonné. J'imagine même pas que les gens, quand ils doivent être en galère, comment ils doivent être abandonnés. Il faut un réel réveil citoyen. Et quand il y a un réel réveil citoyen, on n'est pas là à faire des leçons de morale. Loin de là, bien au contraire. On sait très bien que le contexte socio-économique que l'on vit dans nos quartiers ou dans nos villes, ou même dans les zones rurales, ne permet pas à certains de pouvoir se mobiliser pour avoir leurs droits. Ça, on le sait. Mais à un moment donné, il faut avoir une vraie prise de conscience. Car ce n'est pas pour nous la prise de conscience. C'est pour nos enfants. Cette prise de conscience, pour la fierté de nos parents. Et cette prise de conscience, c'est pour notre dignité. Car aujourd'hui, c'est pas normal que lorsque des salariés passent par une porte, donc c'est des bons flambants neufs, et lorsque c'est des locataires qui payent des loyers et des charges, lorsqu'ils ont un sinistre, on leur donne même pas des dates d'échéancier, on leur donne rien du tout. Et en plus, et ça, c'est, faut que ça cesse. C'est à deux pas. Hein. C'est juste à côté. C'est... Franchement, la rampe, elle est juste à côté. Hein. On n'a pas besoin de faire 500 mètres. Hein. Voilà. Regardez, vous voyez? Regardez, le parking, il est juste là. C'est à côté. Il est juste à côté. Et là, on va finir sur ça, c'est pour faire montrer qu'à Saint-Denis, c'est une des villes où le mouvement de la révolution est en marche est plus implanté. On a commencé à Aulnay-sous-Bois, mais on est plus en place à Saint-Denis qu'à Aulnay-sous-Bois. Et on est exactement dans plus de 6 villes. Hier, vous avez pu voir, on a pu monter une antenne à Nantes. Hier, on a été à Rennes. Le mouvement de la révolution est en marche est à Orléans, et ainsi de suite. Et là, on est à Saint-Denis. Donc là, le but du jeu, c'est vraiment que tous les habitants de Saint-Denis, surtout des Francs-Moisins, qui habitent à l'OGIREP, qui se réveillent. Alors, bien l'OGIREP Francs-Moisins, bâtiment 4. Regardez. Voilà. Bon, on va vous dire que c'est le mot de la fin, quand même. Ah bon, c'est le mot de la fin aussi à notre collègue, qui est dans l'ombre. Bah, moi, je vous invite vivement à vous mobiliser. Créez une amicale, faites que ça bouge en bas de chez vous. Parce que nos pères, nos parents, ils ont payé pas loin de 30 ans de loyer. Au jour d'aujourd'hui, pour certains, ils payent encore leur loyer. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, ils auraient pu être propriétaires, voire deux fois de leur logement. Moi, je vous invite vivement à sortir de chez vous. Les jeunes, réveillez-vous. Parce que c'est vrai que nos parents, ça, ils sont fatigués. Ça, comment ça s'appelle le relais. Et de faire en
en sorte que notre vie s'améliore et pour nos enfants aussi. Donc tous les habitants de Saint-Denis nous contactent. Hein. Ouais, voilà. Naïma, le mot de la fin pour toi. Ton quartier, on va le prendre, on va mettre ton quartier comme ça, en lumière. Ton quartier de son cœur. Exact. Vas-y, explique-nous. Exact. Voilà. Bah, écoutez, vous pouvez toujours vous réveiller, il n'est pas trop tard. Donc tout ça, c'est pour vous, effectivement. Et je vous invite à nous rejoindre. La révolution est en marche avec Saint-Denis. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez quoi que ce soit comme souci, prenez contact avec eux. Et ils se déplaceront avec plaisir. La révolution est en marche et personne ne pourra l'arrêter. Ciao.